امشي قاعد نجمعني لستاج نيلي انا يسمزين تن برشلونة صح لا نجمعني لا يعدكني ذاك الحال يعني نسعد دا ويجور ثم ايام تسع ايام دون دو بون كونديسيون ولو انا ون لا لا تربع ثلاث كبيرة لا كومبلي باسكو لا نخصنا خير لي جوار ون الدرع نوتامون جي ولا قيد نركروتي دا جديد ويدار يدنا دونك مالوغوزمون نا با اي لوكازيون باش نزر سور بلاس باش اللي يسين يمدو كاليس هذيا لا تنسين دونك ني واشو اشو الحقيقه انا شو شي زبله غير ديال وين يطلع واحد الماجي اسكا اي بي اي ان بو دو روتار حماني بضد حماني بضد 3 جور دو 3 جور ان روتار اي بي اون اي دو بليسي شويه خليلي كي ايو ان ايماتوم الى ايت اوبليجي دات هوسبيتاليزي اي مترف كي ايو ان بليسيور لور دان انترينمون sur terrain glissant, donc il a eu une ouverture de, au niveau du tibia qui a fallu quand même 5 points de suture. Mm-hmm. Et bon, il a raté une partie de la préparation. Voilà, donc il y a même les préparations, c'est l'intérêt l'OSL, le Hajat, l'Aliyah, le Ringlan, voilà qu'il n'a pas de l'Omor Chouyan. Notamment les blessures à Guinée, qui a l'indisponibilité des joueurs à Kilmala. Voilà. Je me dis que tu as aussi un Nidon, mais tu as aussi un Barcelone, si tu as aussi un Nidon. Il y a des gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire. مالا دهضرات موت الجزائر في تربعه لاجيسكا يدرا لا ذا فدل كان الهواء تبدل لنا لا نتساوي ثلاثه في مدينه ولا شي سنه تربعه لاجيسكا توت سانسيريتي سا با با ايتي مون شوا دير يمكن البريزيدون يما ابلي نايد بلي اقلا اون ستاج على ليتروجي نوتامون اون اسبان ما انفورمي دي ليو دو ستاج سون بلوس Donc, mais j'estime, il y a des endroits où on peut faire des stages. Il y a des choix à faire. Il valait peut-être mieux faire une préparation sur Alger. Walakin pour les joueurs, pour une préparation et physique et psychologique, un voyage à l'étranger, il y a toujours quelque chose de positif. Mm-hmm. Notamment dans une ville où il respire le football. Barcelone, c'est la ville du football, c'est le pays du football et la ville du football. Donc... سالنا شوية ساعة القيمة أكثر نتأمل في ديدي برشلونة. Les joueurs se sont sentis bien dans leur peau. Donc ils ont bien travaillé. On a fait de bons matchs. Il y a quelques petits couacs qui ont déréglé un peu la machine. Mais dans l'ensemble, ça a été un voyage utile et satisfaisant. النتيد ومن بعد نكشف لي تفاصيله غتصل الهضره هضره غيفيك ناد لكن اين لا سير بويا تروحون تسوجد انت مالس تفران تموت نظر ذاك دي الاسبان خاص مي المولوديات اللي تسوجد مانيس تبع هضره تاع ساعه ثلاثه لا جيسكا سي لا بروميير جورني تقرب الناس اللي كانوا لكن دينا في برشلون بور لا كوميونيتي اللي ندينا لا اوف يا دي ميور ستاد سا سي سيرتا Ouais. Mais enfin, il vaut mieux jouer à Bologne. D'accord, très bien. Donc, il y a un stage de Barcelone, à Barcelone, à Droha, à Mehoué, à Toura, à Gorek, à Tarzavec, à Toussaint, 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 سي لي سيركونستانس اللي غفران داك لد نزول سي الحاجه هادي وقبل نهضرها في البيلون 24 ساعتين قريب ولا شيك واللي ظهر لي ثلاث لاجيسك قريب تروحها يدور راك رمام زن زعما غادي نغاش تاكي قريب ذاك نهزنا الكل امشي هكا كي الخفار هادي يسد غير مزيان اللي اشترى ثلاث لاجيسك ينوري فيهم امشي تدي يسمون تاكي ربحه ثفات تقيم لهم بعد ثلاث لاجيسك سو غلط
دو كان يعني انا عرضا نفهم ما نشتاقي ما راه دي سوالين خطر طاس ديوران نس القلم يوز القلم ذا شو السبب واش نشتاقي جان غير مزيان يخدم لنا حريشه مزوارو ومن بعد دين دين قريب في روحو تسيت ربعه في لاجيسكا الامور هي انا اوري بو لي زيفيتي يعني بكل صراحه سي دي شوز كي بوف اريفي مي ولكن سي دي شوز كي ن دوفري با اريفي ممكن الى جيسكا مالوروزمون on a un déficit de communication. Yani, on n'est pas organisé de telle façon à ce que, qu'il y ait des explications pour tous les actes. Dans un club qui est normalement organisé, tout est explicable. Ou là, les haja, on a une explication. Et qui n'est pas très mal haja, je suis en mesure de motiver et de défendre la chalakh. À faire les explications dans un cadre organisé, bien entendu. Mais chez quelqu'un qui est barra, ou il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des gens. Le président d'un club, il a le droit de connaître, de savoir l'état de son équipe. Dans un cadre organisé, l'entraîneur est obligé de donner des explications. Ce qui est normal. Collier ou mécanisme. Il y a l'aspect technique, il est exclusivement sous la responsabilité de l'entraîneur. C'est un radaoui dans l'entraîneur. L'entraîneur, il est responsable de l'équipe qu'il gère, de l'entraînement, de l'utilisation des joueurs, du recrutement des joueurs, des résultats de l'équipe. Elle a dit, oui, je veux dire, elle a dit, si ça va, si ça ne va pas, c'est toujours lui qui doit expliquer les choses. Le président, lui, il apporte son concours, il protège tout ça. Parce que c'est lui le boss de l'équipe. Donc c'est Vincian, il met les moyens à la disposition des gens pour qu'ils puissent travailler en toute sérénité et dans le calme. Donc il n'y a rien qu'on aurait pu éviter cela parce que en fait, c'est juste parce qu'on ne se parle pas beaucoup à la JSK. On parle beaucoup dans les journaux et on ne se parle pas beaucoup entre nous. Pour moi, vu de ma position, c'est un point important. Le recrutement d'un joueur. À la limite, moi, je ne peux pas empêcher un président de ramener un joueur. C'est son club. Mais quand on travaille en collaboration, l'avis de l'entraîneur est important. Mais il a demandé l'avis. De mon point de vue, j'estime que j'étais de trop. Voilà. Puis je me suis dit, ben là, qu'on ne veut pas me dire, ben là, qu'on veut me le signifier autrement. Donc j'ai dit, si c'est ça, bon, c'est bon, moi je pars, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne pense pas être quelqu'un qui gêne, je ne pense pas. Moi, j'essaye de faire mon travail dans le domaine qui est le mien. Et le reste, ce n'est pas de mes attributions. Et en plus, on se parlait pas beaucoup, on se parlait par intermédiaire. Et ça, c'est jamais. Parce que par intermédiaire, il y a toujours une virgule ou un point de trop ou un moins. Donc. Il vaut mieux se parler les yeux dans les yeux comme ça. Est-ce que vous avez dit 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 que vous avez السنيه ميولر اللي خطر التصريح ديتو نشتاكي سبب ميولر كان رد عويض نودي تسوينا راه ذي الخلاف ذي نيدي ديو ذي نيدي ديو سادي يدرى اميرني اكن سي تون غود كي في دي بور دي الفاز سي اللي توفيض لي حاله وثقال الزرع هذا ماشي كي توفيض اذن وضع تيضا في دي ثربعة لاجيسكا ذا شنيك كي جان تكمل لي وين ذا ديوسان ومن بعد تنيضا سايا ولا تسقرا تزمع تسترضق تنيضا سايا ولا كثر Medraha, la JSK, je ne suis pas venu dans un club ou Sinrala. Je connaissais un peu. Je connaissais un peu de la réalité de la JSK et j'ignorais beaucoup de choses de la JSK aussi. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas de la JSK. Mais je me faisais une idée.
de la JSK. On ne trouve pas souvent ce qu'on pense. Et on n'a jamais toujours ce qu'on veut. La JSK, elle était dans un état un peu difficile à traverser. Une période difficile. Non pas par la faute de ceux qui étaient avant moi en place, parce que la situation de la JSK était celle-là. Mmh. Les joueurs ne se sont pas opposés, il y avait des joueurs qui ont changé, beaucoup sont partis, d'autres sont arrivés, une partie était qualifiée pour la Coupe d'Afrique, une autre partie n'était pas qualifiée. Il fallait vraiment faire de la gymnastique. Et Moussa Saïd, il a fait de la gymnastique pour essayer de jouer les matchs qu'il avait à jouer. Il a fait ce qu'il a pu. Mais c'est difficile dans ce contexte-là de gérer une équipe où on devait participer et les objectifs n'étaient pas clairs. Alors, fallait-il jouer la Coupe d'Afrique ? Il a joué sérieusement. Ou ne pas la jouer ? Nous, à la GSK, on n'a fait ni l'un ni l'autre. On était hésitants. Ce qui fait qu'on a appris à perdre normalement. Ouais. C'est-à-dire, l'équipe a appris à perdre des matchs, et c'est normal. C'est un état psychologique dangereux pour une équipe. Les joueurs, quand ils perdent et qu'ils trouvent ça normal, parce que ce n'est pas un objectif. Après 6 matchs, ça devient presque une habitude. Ouais, donc c'est difficile à C'est difficile de reprendre. Donc avec mon arrivée, c'est dans cet état-là qu'était l'équipe. Il fallait reprendre les joueurs. Il y avait de la bonne volonté des joueurs. Et puis bon, on a essayé de rattraper et l'équipe, comme l'avait déjà prévu Moussa, il avait dit qu'au mois d'octobre, novembre, l'équipe allait se sentir beaucoup mieux. C'est en connaissance de cause. Il n'a pas inventé cela, mais il connaît bien, il sait bien que c'est comme ça que les choses devaient se dérouler et qu'il fallait un mois et demi de travail et de réglage pour que l'équipe soit à un bon niveau, du moins sur le plan physique. L'équipe a progressé grâce à la mobilisation des joueurs, de la direction qui était aux petits soins avec les joueurs. Les choses doivent être dites comme elles sont. La réalité est la réalité. Pas de retard dans les paiements, les joueurs étaient bien pris en charge. On a changé quelques habitudes, on se regroupait à l'hôtel. Enfin, on est devenu une équipe normale. Voilà. Une équipe telle qu'elle devait l'être. Voilà.